Libanda pepa Libanda tozo pepa Bimisa mushwa wa mushwa pepa pepa D'ailleurs, nous sommes debout, nous balançons nos mouchoirs. Amen. Maman a bête à la mololo a yete. Amen. Pepa, pepa. Obine la kawapi. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Yembela ye, na esengo. Alléluia. Toke, toke, toke. Kumisa ye, na esengo. Kagaboy, kagaboy. Bolo Yesu alongi etuba. Sanjola ye na esengo. Molongi, molongi. Bolo Yesu alongi etuba. Mama na yo, papa yo zali molonge, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. Wapi mutalongi? Kumama na yo, papa yo zali molonge. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. Aina bela ki malati kololo viki sima ye. Jogo! Nalinga ki kokupa, papa yo kangoli ga ye. Na nabike ye ye, nabike ye ye. Kumama na yo, papa yo zali molonge. Molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. Yo kumama lelo yo, ah. Oh eh, ya wenaka, mabo kwe bonga na yo, yo kumama lelo yo,
ezali ya yo yokuma malelo yo Mokoti mokote, apokani na yo. Nazolo kamutazo beta maboko koleka voisin. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Zamba pambolama. Les amis qui jouent au synthé, la plupart. Baninga obabeta kanzenze baike. Surtout à la fin, comme ça, ils jouent encore pour que ça ne s'arrête pas. Et là, quelqu'un dit passer à m'a bête. Les amis du synthé, français toujours, quand je dis en lingala, français pour ceux qui suivent, interprète. Et certains d'eux disent le pasteur est de mauvaise foi, il a fallu qu'il puisse laisser que nous puissions jouer. Mais les amis, à la fin, veuillez voir le pasteur. Shalom à tous. Même vous qui nous suivez en direct, shalom à vous. Surtout pour ceux qui nous suivent en direct, partagez, écrivez le nom des 5, 10, 15 personnes qui pourront suivre même après et Dieu bénira. Pour ceux qui nous suivent, partagez, 5, 10, écrivez le nom, même après, ils pourront suivre. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Maintenant, suivez verset 40, le plus important, je lis. Il y a aussi de corps célestes et de corps terrestres. Mais autre l'éclat de corps célestes, autre celui de corps terrestres. Autre l'éclat du soleil, autre de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel, vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Hébreux 9. Hébreux 9, 10 à 13, nous disons au nom de Jésus. C'est lui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, était des ordonnances charnel imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Voilà, donc Christ n'a pas traversé le tabernacle qui est fait de main d'homme avec son sang, mais il est entré avec son sang
dans les tabernacles célestes, spirituels et dans la présence du Père. Voilà pourquoi il devait ressusciter. Parce qu'après les travaux sur la terre, il devait continuer les travaux de l'autre côté pour nous. Continuez la lecture, papa. C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création ? Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Amen. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'honore ta parole. Aide-moi à aimer les saints livres. Pas seulement dimanche lorsque le pasteur prêche. Quotidiennement que je pain chaque jour. Je vais lire la parole de Dieu. La méditer. Je m'engage à être passionné pour les saints livres. Tu peux donner un baiser à ta Bible et nous allons rasseoir. Voilà, que Dieu soit béni. Ça signifie que je t'aime. Ne sois pas comme Juda qui a baisé Christ, mais il est trahissait. Lorsque je demande de baiser la Bible, si tu le fais et que tu n'honores pas ces saints livres, tu es comme Juda. Il faisait un baiser, mais qui déjà avait trahi Jésus. Ne fais pas la bise alors que tu sais que tu es dans une mauvaise vie. Un Corinthiens 11 dit, il y a beaucoup de malades au milieu de vous parce que vous vous approchez de la table du Seigneur avec légèreté. 1 deuxième femme ne peut pas prendre la table du Seigneur. Pardon, papa. Une deuxième femme ne peut pas prendre la table du Seigneur. Moi, si ami balé na kati na libala, okobele ma mesana kolo. Nous, on n'est pas là pour juger, pour dire Yovanda, Yovanda. Mais quand on dit prendre la Sainte Seine, et aujourd'hui, on a des problèmes à Kinshasa parce que, et comme une habitude, il y a même maintenant, nous les pasteurs, Nicolas Bisso, ma pasteur, je crois que quelqu'un peut prendre la Sainte Seine à la maison et être guéri. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Ne bénis jamais la Sainte Seine seule. Toi, tu n'es pas sacrificateur. Tu n'as pas le droit à la maison. Aujourd'hui, Lipa, Navin, Onao Pambolango, Nana Mela Sainte Seine, Namunandao. Tu es dans le faux. La table du Seigneur est sacrée. Celui qui bénit la table du Seigneur, il doit être quelqu'un de consacré, de reconnu au ciel et sur la terre. Parce que Dieu peut t'appeler, mais il faut que les hommes approuvent ton appel. Arrêtez avec ces histoires de bénir la Sainte Seine à la maison. Tu prends l'huile, toi-même tu bénis et puis tu appliques. Et si Mbakate, il faut un homme ouin et qui marche dans la sainteté. On l'appelle ça la sainte huile. Il faut que la personne qui bénisse soit aussi quelqu'un qui marche dans la sainteté. Et toi aussi, quand tu veux l'appliquer, veille que tu sois dans la sainteté. Beaucoup aujourd'hui appliquent l'huile. Et comme il y a cette histoire que vous connaissez de cette religion, où on récite et on touche le boule, on touche le boule. C'est de l'idolâtrie. L'huile, c'est mon daddy qui a donné. Daddy a donné, tu viens de faire l'impudicité et tu appliques l'huile. Voilà pourquoi nous appliquons l'huile, mais il n'y a pas de résultat. Ouais. Qui a déjà constaté ça? Que tous ont utilisé l'huile, mais Hermo Peso, ils ont allemand en lingua. C'est une huile sainte. Avant de l'appliquer, tu dois être dans la sainteté. Et ça m'a et puis, je prends l'huile. Seigneur, guéris-moi. Ça ne marche pas. Tu injuries les autres et puis tu viens, Seigneur, j'applique l'huile. Tu as des problèmes avec les gens dans ton cœur. Tu appliques l'huile. Ça ne marche pas. L'huile n'est pas une excuse à la sainteté. Amen. Mais... donc quand nous irons à la table, ne prends pas la table, ne te lève pas pour prendre la Sainte Seine parce que tu es à l'église. Ce n'est pas une compétition. Donc quand je me mettrai ici, si toute l'église s'élève, ou une grande partie, il faut que tu sois sûr que tu n'as pas d'ennemi. Il faut que tu sois sûr que si tu t'élèves quand même,
Alors tu as pris la résolution que tu dois aller pardonner à cette personne. On s'approche avec légèreté de cette table. C'est la communion au corps et au sang mystique de Jésus. Et tu dois être dans les conditions que lui a données. L'apôtre Paul dit, plusieurs parmi vous sont malades et même d'autres meurent parce qu'ils s'approchent de la table du Seigneur indignement. 1 Corinthiens 11. Le thème de ce matin. La Pâque. Pascha. Deux points. Matonomi balé. Croix vide. Ekolo soupolele. Donc la croix, il n'y a personne là-dessus. Ekolo se zappa. Voilà, je reprends. La Pâque. Deux points. Matonomi balé. Croix vide. Ekolo soupolele. Tombeau vide. Pei lilita polele. Les ressuscités travaillent au ciel. Mose qui a consacré la lola. Nous avons déjà lu des textes. Certains se posent la question pourquoi des fois on écrit Pâques sans S et Pâques avec S. Rapidement, la Pâques sans S, il s'agit de la Pâque juive. C'est la Pâque qui a été initiée dans Exode 12. Et par une ordonnance divine, Dieu étant un Dieu de souvenirs, a instruit à son peuple de savoir ses souvenirs chaque fois qu'ils étaient esclaves en Égypte et que par sa main puissante, il a contraint Pharaon, il les a libérés et il les a sortis de l'Égypte. Il devait donc se souvenir qu'une nuit, l'agneau a été immolé pour que eux puissent sortir. Exode 12, vous le savez, l'agneau a été immolé, l'ange de Souter est passé dans les camps et des Égyptiens et des Hébreux, mais parce qu'il y avait le sang sur les linteaux, l'ange de Souter n'est pas entré en résumé. Moi, je n'ai pas été à Bonzamaki, car si Bonzamaki, moi, je me paie, c'est tant que les gens qui ont été à Bokotaki, Makila et Tiamaki, à Bokmik, Nangam, à Égypte, car c'est qui est à Israël. Donc, la Pâque sans S fait référence à la Pâque juive. Exode 12 a initié le chose. Alors, la Pâque avec S, dans la simplicité, renvoie à la Pâque chrétienne. C'est-à-dire, c'est conforme à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus est mort exactement pendant la période pascale de Juifs. Il était donc l'accomplissement de la Pâque de l'Ancien Testament. Pourquoi la Pâque? Selon le plan de Dieu, pourquoi Dieu ou Jésus devait mourir et ressusciter? Vous remarquerez que je parlerai de la croix. Je parlerai du tombeau. Et du pourquoi de la résurrection. Rapidement, je dis ceci. Avant que je ne touche vraiment le point, il est écrit « Maudit quiconque pendu au bois ». Donc celui qui devait être pendu au bois était considéré comme le maudit. Et comme nous étions maudits, il fallait que quelqu'un revête la chair comme nous et qu'il soit pendu au bois, qu'on les considère comme maudits pour que nous soyons bénis. La croix est un lieu de change, un lieu de transfert
Bien-aimé dans le Seigneur, lui prend toujours les négatifs pour nous donner les positifs. Ésaïe 53 dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Moi, j'ai toujours dit, à lui les meurtrissures, à nous la guérison. Je répète encore, à lui les meurtrissures, les blessures, à nous la guérison. Lui prend les mauvaises choses et il nous donne le bon. Parce que lui passe par les mauvaises, ça libère la voie pour que les bonnes viennent vers nous. À lui les meurtrissures, à nous la guérison. De fort qu'il était, il s'est fait faible pour que nous devenions forts. Lui qui était saint, sans péché, il s'est fait péché pour que nous nous soyons justifiés. Christ a connu les supplices de la croix. Non, les supplices, les douleurs. Oui, il a accepté les supplices de la croix. À lui les supplices, à nous les délices. Chaque fois, lui prend le mauvais pour que du mauvais qu'il a pris, le bon soit libéré vers nous. Si tu comprends ces choses, donne-moi un amen puissant. La croix, c'était donc un autel. C'était un autel où on devait placer un agneau. Et si Dieu agrée, et la suite pourrait être possible. Tout autel exige sacrifice et sacrificateur. Et maintenant, on doit voir si c'est agréé, c'est bon. Si c'est pas agréé, donc ça pose problème. Avant d'aller plus loin, ce n'est pas tout ce qu'on offre à Dieu que Dieu accepte. Tu peux quitter ta chaise, venir jusqu'ici, déposer un billet de 100 dollars, mais Dieu n'est pas agréé ça. Souvenez-vous, Caïn et Abel ont offert, Dieu a agréé d'abord Abel et son offrande, et Dieu n'a pas agréé Caïn et son offrande. On ne parle pas de l'offrande avant la personne. Parce que Dieu voit d'abord la personne qui offre avant de voir ce qu'il offre en résumé. Golgotha, premièrement, est un point d'accès au monde de Dieu. Parce que Dieu étant esprit, les hommes étant corps, âme, esprit, il faut un aéroport. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des hôtels qui soient des points de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Alors Golgotha est un hôtel où on a placé comme sacrifice l'agneau immolé. Donne-moi un amen et ton voisin va se réveiller. Première vérité que je dis, seuls ceux qui sont passés par l'autel de Golgotha peuvent prendre les dessus sur les autels sataniques. Aujourd'hui, tout le monde, j'envoie le feu, ces hôtels-là se détruisent, se brisent. Si tu n'es pas passé par l'autel de Golgotha, tu n'as pas l'autorité de renverser les hôtels sataniques. Seuls ceux qui sont passés par l'autel de Golgotha, au moyen de la nouvelle naissance véritable, par les renoncements aux œuvres mortes, peuvent avoir autorité d'attaquer les hôtels sataniques. Et aujourd'hui à Kinshasa, la faute est de notre côté, nous prédicateurs. N'importe qui vient, Beta Maboko, au nom de Jésus, Nabuki, 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 Tanga Oto Buka, Tanga Zo Bima Kakaboui. Quelle ville même. Deuxième vérité. Quand Golgotha est élevé, la victoire est notre. Jean 3, 14 dit,
Jean 3:14 à l'obi. Lorsque vous élèverez le Fils de Dieu, c'est là que vous verrez sa gloire et sa puissance et son autorité. Alors, suis-moi. On dit, et nous chantons, l'Éternel est ma bannière. Totomboli kombo na yo. Vous connaissez ces cantiques. Nous élevons Totomboli kombo na yo. Nous élevons ton nom. Totomboli kombo na yo. Lokola bendele na likolo. Comme une bannière dans les airs, dans le ciel. Donc, ce que nous élevons, c'est ton nom. Mais ton nom est comme une bannière dans les cieux. Suis-moi bien. Chaque fois qu'il y a un drapeau qui est élevé, quand on le monte, tout ce qui marchait doivent rester fils. Si tu bouges, on t'arrête. Je vais donner les secrets à quelqu'un. Si tu veux que tu fasses des choses sans que ces gens-là bougent, sans que les sorciers, les occultistes et les magiciens ne bougent, comme son nom c'est une bannière, toi mets-toi à adorer son nom. Non, tu ne m'as pas compris. Mets-toi à adorer son nom. Quand tu adores son nom, c'est comme un drapeau qu'on est en train de faire monter. On dit, quand nous l'adorons, son nom est élevé comme une bannière. Alors, quand tu l'adores, quand tu proclames sa sainteté, c'est comme un drapeau qui monte. Et quand les drapeaux montent, tout le monde respecte la nation. Si tu bouges, on t'arrête. Je vois quelqu'un dans le jour qui vient. La bannière est élevée. Aucun sorcier ne va bouger. Si les soldats arrêtent pour la nation, je t'assure qu'il y a des anges qui surveillent ta bénédiction. Quand tu me donnes un amen, je veux me mettre à déclarer maintenant. Quand tu te mettras à agir, personne ne bloquera ton action. Aucun démon de contrôle, aucun magicien, aucun sorcier ne bloquera le processus de la bénédiction de ta vie. Quand le drapeau est élevé, si tu bouges, on t'arrête, on te met en prison. Je t'annonce, il y a plus que le drapeau du Congo, il y a plus que le drapeau d'Israël. J'élève maintenant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, sa majesté Jésus, la plus belle fleur de mon cœur, le chemin, la vie, la vérité. Je ne comprends pas ces vieux. Comment une seule personne a beaucoup de noms comme ça? Il s'appelle encore le lion de la tribu de Juda. On l'appelle encore le rédempteur qui est vivant, qui s'élève le dernier. On l'appelle encore la parole de vie. Pendant que je cite son nom, la bannière est élevée. Quelqu'un qui devait bloquer ta bénédiction de cette semaine se retire. Laisse-moi d'abord finir et tu prends. Je proclame maintenant, quand on élève la bannière, plus personne ne bouge. Tu bouges, on t'arrête, on te met dans la prison. Je déclare maintenant, pendant que j'élève Jésus, aucun sorcier, aucun magicien, aucun occultiste ne peut bouger pour contrôler ta bénédiction. J'élève l'homme de Galilée. J'élève la bannière de Jésus. S'il fallait un poteau, pour il faut un poteau pour élever les drapeaux. Moi je connais un poteau qui est par excellence. Où le drapeau qui n'a jamais existé est élevé. Quand le drapeau flotte, c'est le signe de la souveraineté. Nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu. Quand le bois de Golgotha est élevé, voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, si vous élevez le Fils de Dieu, c'est là que vous saurez qui il est. Je proclame fixe na ben eminonios bagoninganate. Yes. Rassois-toi. Vanda. Deux vérités. Bosolo mibale. Le salut en Christ te donne droit au salut au drapeau.
Non, tu m'as pas compris. Au moment où il s'allie au drapeau, tu ne bouges pas. Donc, le salut en Christ te donne le droit au salut au drapeau. Même j'ai dit plus que ce qu'il y a dans le salut au drapeau. Quand Christ est élevé quelque part, aucune puissance ne peut agir. Voilà pourquoi apprends à passer du temps dans l'adoration. Une heure, deux heures, trois heures. Ne lui demande rien. Bah, adoration, il y a. Oh non, merci pour les cheveux que tu m'as donné. Merci pour l'église qui est pleine. Non, de temps en temps, oublions tout ça. Ne lui disons pas merci seulement pour ce qu'il a donné. Allons dans ce qui est spirituel. Réalise l'œuvre de la croix. Il t'a racheté. Il t'a pardonné. Il t'a purifié. Il t'a justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il a fait tomber les murs de séparation. Nous qui n'avions pas droit d'être cités en Israël. La Bible dit, il a rapproché ce qui était loin. Aujourd'hui, les chrétiens du Congo. Adoration. Sois biblique dans ton adoration. Il faut que quand tu pries, que la personne qui est à côté de toi sente la maturité. Comment? Par les paroles d'adoration, des versets bibliques qui sortent. Tu comprends seulement celui-ci, il est encore un bébé spirituel. C'est pourquoi à l'église, quand nous adorons, nous devons parler pour nous édifier les uns les autres, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Surtout vous qui vous tenez au micro ici, ne me dis pas, adore, papa, si tu sors de très belles paroles, nous allons adorer. Continue à m'adouter. Je n'aime pas cette façon de faire. Adorons. Jésus, papa, soko lobi akitoko, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Ça va? Oh! Au moins, regarde, abattu, comme il chapra, chopro, aya, bro, maloba, pas, ma mère, ça l'a battu bien. Donc, maloba, on va prévoyer, on va poser, on va mettre, on va yoka, ba yeye. Ces paroles-là ont été prévues. Lorsque tu commences à les citer, ça va te pousser à primer. Alors, quand tu nous dis, adore, bondela, beta ma boko, papa, beta ma boko, mais on a la parole biblique. Mouillons nos prières des paroles bibliques. Lisons les saints livres. Ce qui est spirituel exige des réalités spirituelles. Dans les nations, lorsqu'il y a un deuil national, le drapeau est en berne. Je dis à quelqu'un, chez nous au ciel, jamais deuil national. Jamais deuil national. Je disais au début, bois vide, tombeau vide. Partout où on a amené ces vieux Jésus, c'est toujours resté vide. Même si vous l'amenez sur la croix, vous le clouez méchamment. Main et pied. Erreur. La croix restera vide. Si tu vois quelqu'un te présenter une croix où il y a Jésus, ce n'est pas le christianisme. Alléluia. Ce sont des satanistes. Notre Jésus n'est plus à la croix. Laissez Jésus aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui dans les photos sur la croix, signifierait qu'il a fini sa course à la croix. Je ne prêche pas un Jésus qui a fini sa course à la croix. La croix n'était qu'un point de passage. Partout où lui passe, on ne les fixe pas là. Même si vous voulez les fixer, la croix est restée vide. Le tombeau aussi est resté vide. Quand tu me donnes amen, là où on t'a placé à la croix, tu es en train de quitter là au nom de Jésus. Là où on t'a cloué. Dans un poste. Dans une maladie.
On t'a cloué là, mains et pieds, pour que tu restes maudit au bois du calvaire. Je proclame sur quelqu'un que la puissance de cette parole enlève le clou maintenant. Tu quittes le célibat, tu quittes la maladie, tu n'es pas condamné à la croix. Quand tu me donnes amen, mystérieusement tu quittes ces lieux. Quelle que soit la méchanceté de clou, tu vas quitter ces lieux. La croix. Premièrement, la croix. Selon le plan de Dieu, nous allons analyser les deux réalités, la croix et le tombeau. Il est monté à la croix pour mourir. Mais il est entré dans la tombe pour ressusciter. Alors la croix. Pourquoi la croix? J'ai dit maudit quiconque est pendu au bois. Alors il devait se faire malédiction pour que nous soyons bénédiction. La Bible et le psaume 40 dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. J'ai dit, mais voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, quand il y avait péché, pour rétablir la relation avec Dieu, on prenait un bouc, on lui imposait la main et on confessait les péchés du peuple sur le bouc. Et ces boucs-là étaient immolés. Mais le cœur du père n'était pas apaisé. Parce que le sang de bouc n'ôtait pas le péché, mais couvrait le péché. Donc il fallait un sang qui ôte le péché. Voilà pourquoi Jésus est venu. Romains 3, 21 à 24 dit: tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme le salaire du péché c'est la mort, nous étions privés de la gloire. Nous étions privés de la gloire. La croix, c'est l'autel dressé pour réconcilier Dieu avec l'humanité. Nous venons à l'église, mais deux fois nous pensons que nous venons à l'église. Bouka, bondez là, bondez là, bondez là. Au nom de... Non, comprenons pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi nous remplissons ces lieux? La croix, c'est l'autel dressé pour réconcilier Dieu avec l'humanité. La croix, c'est l'autel des hôtels. Donc, hôtel et l'équipe hôtel Nyos. C'est l'autel des hôtels. C'est le sacrifice de sacrifice. Et à la croix, il y a eu le souverain sacrificateur qui est plus grand que tous les sacrificateurs que tu peux connaître, même en Christ, même dans la sorcellerie. Deux vérités à ce niveau. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Autel. Il n'y a pas d'autel sans qu'il y ait sacrifice qu'on va placer dessus. Donc quand il y a autel, il faut qu'il y ait un sacrifice. Deuxièmement, il n'y a pas d'autel sans sacrificateur. Et Christ était à la fois sacrifice, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il était à la fois lui-même aussi souverain sacrificateur, c'est-à-dire c'est son corps, sa vie qui a été offert en sacrifice, mais lui-même aussi est le souverain sacrificateur qui est entré dans le tabernacle céleste pour présenter son sang pour que la colère du Père s'apaise. Amen.
Comme sacrifice, il a été crucifié à la croix. Immolé pour les péchés. Et comme souverain sacrificateur, je l'ai dit, il est entré dans le tabernacle céleste. Avant d'apporter cette parole, j'avais deux batailles. Apporter une parole de Pâques, de puissance, de délivrance, de puissance, ainsi de suite. Mais bien aimé, si nous vous continuons à vous dire ces choses et vous êtes debout, le panier est plein, vous ne comprendrez pas la vie chrétienne et vous serez des chrétiens superficiels et en l'air. La deuxième vérité pour les autels. Notre part dans les sacrifices, c'est présenter l'offrande. Et veiller qu'elle soit dans les conditions de Romains 12, 1 à 2, c'est-à-dire un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc la part d'offrir, c'est nous. La part d'agréer ou pas, c'est Dieu. Je l'ai dit au début, Caïn a offert, Abel aussi a offert. Mais Dieu a agréé. Genèse 4. Abel et son offrande. Genèse 4. Andimi Abel Pembeka. Dieu n'agrée d'abord pas l'offrande. Zambe ayambakana numbeka te. Dieu agrée d'abord la personne qui fait l'offrande. Zambe ayambakana numoto azali kotumba mbe. Si il agrée lui, soki andimi ye, maintenant il accepte ce qu'il lui donne. Wana akondima pe uwe moto na mbe. Quelqu'un peut donner 10 dollars à l'église. Otomoko kopesa 10 dollars l'église. Qu'il n'a pas volé. Ayibite yango. C'est 10 dollars. 10 dollars yango. Qu'il n'a pas volé. Ayibi yango te. Mais un autre peut amener 20 000 dollars. Qu'il a eu parce qu'il a tué quelqu'un. Moi, pasteur, je ne saurais pas. Je veux dire, sois béni. Mais c'est Dieu qui agrée. Aux yeux de Dieu, peut-être. Celui qui a amené 10 dollars est plus important que celui qui a amené 50 000. Si tu n'es pas d'accord, si tu es d'accord avec moi, tu n'es pas choqué, donne-moi un amen bien. Veillons sur ce que nous apportons à Dieu. Sortant de nos poches, mais sortant aussi de nos vies. Tu es à l'accueil, chaque jour tu viens à temps. C'est ton offrande. Mais le problème, ce n'est pas les servir. C'est d'être sûr qu'il agrée ce que je lui sers. Alléluia. Ça, c'est pas le pasteur qui va te les garantir. Moi, je peux t'aimer. On peut te mettre dans la première place. Mais un autre au fond. Mais c'est lui que tu agrées. Jésus a été l'offrande qui a été présentée à la croix. Même Jésus. On dit qu'il fallait présenter un agneau sans tache et sans défaut. C'est ce que disait la loi mosaïque. En ce temps-là, la veille de fête de Pâques, chaque chef de famille allait dans la bergerie où il y avait le troupeau. Famille. Nation, tes familles. Voilà. Chaque chef de famille allait dans la bergerie familiale. Il devait maintenant commencer à suivre les animaux à l'intérieur. Quand il court, il attrape. Là, toute la famille dehors attend. Match à Simbe Kosa. Le match de Sima le père. Donc tout le monde dehors attend. Chez les Juifs, c'était solennel. Papa va entrer. Papa au kota. Il commence à chercher. Ando luka luka. Et puis il suit les animaux. Il voit un animal qui est sans tache. Mais peut-être il le voit de ses côtés. Et quand il court, il plonge sur l'animal. Il est dans la poussière presque.
Et tout le monde dehors dit, papa a attrapé. Quand il lève l'agneau, il ne peut pas aller les sacrifier pour la fête pascale. Tant qu'il n'a pas vérifié si cet agneau est sans tache. Et d'autres couraient. Il attrape et quand il soulève ses côtés, c'est tout blanc, mais de l'autre côté il y a des taches. D'autres même, l'animal n'a pas de taches, mais quand on prend l'animal, il avait un pied fourchu. Il fallait un agneau sans tache, sans défaut. Donc des fois le papa courait, il attrape. Tout le monde dehors est content. On a attrapé l'agneau, la fête va commencer. Et quand papa vérifie, il n'a pas de tache, mais l'oreille est coupée. Il faut encore remettre. Continue encore à chercher. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, parce que ce qu'on t'a présenté, Père, n'était pas parfait. Il fallait un agneau sans tache, sans défaut. Voilà pourquoi depuis le jardin d'Éden, Moïse n'a pas résolu le problème. Non plus les David, pas les Élie, pas les Ézéchiel. Et Jean-Baptiste l'a vu. Il a dit, voici, voici, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Comme pour dire, celui que nous avons recherché depuis. Même quand Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac et qu'on lui a montré l'agneau, même cet agneau là même si c'était le ciel qui l'avait montré, n'avait toujours pas calmé le cœur de Dieu. Il n'y a que Jésus Christ, l'agneau de Dieu. Il a vécu sur cette terre, 100% Dieu, 100% homme. Mais même dans sa nature humaine, il n'a jamais péché. Quand il est monté à la croix, c'était un sacrifice pur. Papa cherchait l'agneau et quand il soulevait, il y avait une tache. C'était fourchu. Le cœur de papa n'était pas content. Et dehors, la famille attendait la Pâque jusqu'à ce que papa court, prenne l'animal, vérifie, il n'y a pas de tâche, pas de coupure. C'était l'agneau digne. Et là, dehors, toute la famille commence à célébrer. Avant même qu'on sorte avec l'agneau, il commence à dire, la fête peut commencer. L'agneau est là. Je viens dire à quelqu'un, bonne fête de Pâques. L'agneau immolé est là. Il est venu du ciel. Il a apaisé le cœur du Père. Certaines choses, nous devons le comprendre selon leur sens vraiment du départ. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont été créés pour nous. Ils ont été créés pour nous. Et puis, ils ont été créés pour nous. Ils ont été créés pour nous. Ils ont été créés pour nous. Ils ont été créés. Tu vas demander aux chrétiens comment. Alors, ils ont été créés pour nous. Ils ont été créés pour nous. Ils ont été créés pour nous. De la même manière que Jésus était mort et résisté, toi aussi, tu verras les mêmes choses. Un évangile tourné vers le ventre. Un jour, le prophète Daniel Kawata dit, quelqu'un lui pose cette question à l'étranger. Il dit à cette personne, lui dit, le Congolais, vous avez un évangile tourné vers le ventre. Il dit, non, nous prêchons la vérité. Mais nous avons aussi cet évangile social. Ce n'est pas par le ventre, social. Parce que l'évangile doit répondre aux besoins de la société. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui répond aux besoins de la société. Et il nous donne des paroles, Okobonga, Okomata, Okobala, Isa biblique. Mais si nous ne nous limitons que par ça, nous sommes à côté de la plaque. Parce que l'essence de la vraie vie chrétienne, nous ne la comprendrons pas. Et en ce temps-là, le souverain sacrificateur entrait dans les tabernacles et y allait dans le parvis, lieu saint, lieu très saint, je cours vite. Et quand il arrivait dans le saint des saints, il venait avec le sang pour le culte, pour que le peuple soit purifié et que Dieu agrée.
Dans le Saint des Saints, c'est là que la gloire descendait. Suis-moi bien. Chaque fois que tu dis, Seigneur, ta gloire, la gloire n'est pas pour les bébés spirituels. La gloire, ce n'est pas seulement quand les cultes là, les gens commencent à tomber. Oh, quelle gloire! Mais celui qui tombe là, c'est un impudique. Qui me comprend? La gloire véritable ne descend pas dans le parvis. Ne descend pas dans les lieux saints. Elle ne descendait que dans le lieu très saint. Et quand elle descendait, si tu es dans le péché, toi souverain sacrificateur, supportez ces termes, elle t'assassine. Elle te tue. Et le souverain sacrificateur mourait là. C'est pourquoi quand le souverain sacrificateur entrait, on prenait précaution de lui faire porter des clochettes. Et quand il allait, ça faisait gring 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 gring. Donc ils viennent de dehors, même ceux qui sont dehors continuent à entendre que Azotambo les olé là. Et c'est en train de clochettes quand il est en train de démarcher. La crainte c'était quoi? Quand il va offrir, si Dieu ne l'agrée pas, n'oubliez pas, il peut ou n'est pas agréé. Et si Dieu ne l'agrée pas, donne-moi un amen bien. Si Dieu ne l'agrée pas, la gloire va descendre, le frapper, il va mourir là. Quand on sent que la clochette ne bouge plus, un enfant de Banda dira il a si comme à l'intérieur. Maintenant on va les tirer parce que personne ne peut entrer là-bas, papa. Souviens, ça veut dire à Koufi Yogen. On va les tirer, Bakobenda ya Kobenda. Et ce sera Bimi Barbita Toyo Tovandi Naye Mbula Nambule Posanaye. Et si souviens, ça veut dire à Daye. Il a si comme il est mort. Qui comprend ces choses? Alors que tu as porté les moi et les péchés ne collaborent plus. C'est que ce vieux a fait à la croix. Jésus, c'est énorme. C'est énorme. Et il est ressuscité. Je clôture en disant ceci. Pourquoi il est ressuscité? Il y a trois raisons, mais je n'en donne qu'un seul. Qu'une seule. Suivez-moi bien, c'est simple. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ton voisin. Donne-moi un amen plus fort que ton voisin. À l'intérieur, à l'extérieur, est-ce qu'on peut donner un amen très fort? Suis-moi. Nous étions dans l'éternité. Quand il nous a créés, le premier Adam était dans le jardin d'Éden. Il avait un corps céleste. Ce corps-là, suivez-moi ici, pouvait supporter la présence de Dieu en permanence chaque jour. Sans que ce corps ne sente que c'est de trop. Mais le péché a fait que nous avons perdu cette nature divine. Nous avons perdu ce corps glorieux. Nous avons revêti ce corps que nous avons. Limité. Soumis à la maladie. Soumis à la colère. Soumis au péché. Ce n'est pas le corps que Dieu nous a donné au départ. À Adam et Ève au jardin d'Éden. Alors, nous étions dans l'éternité.
Le péché l'isumu nous a introduit dans le temps. Dans cette chair, dans les limitations. Alors, le plan de Dieu, c'était maintenant de prendre un autre lui-même, quitter la divinité, venir revêtir l'humanité, le second Adam. Donc si le premier Adam a fauté, pour corriger, il fallait un second Adam. Voilà pourquoi Jésus a revêti la chair humaine comme moi et toi. Pour venir vaincre ici, monter à la croix et faire de nous des enfants de Dieu. Matthieu 27 montre que le jour où Jésus a poussé un cri, le voile du temple se sont déchirés de haut en bas. La Bible dit, on avait vu des saints, les sépulcres s'étaient ouverts et les saints qui étaient dans le temple étaient sortis. Ils ont marché à Jérusalem. Suis-moi bien. Ces jours-là, les saints qui étaient dans le sépulcre sont sortis. Ils ont marché dans la ville sainte. C'était une préfiguration qui démontrait que celui qui mourait, Jésus, il mourait, devait ressusciter pour que moi et toi, un jour aussi, à l'enlèvement, que les sépulcres s'ouvrent et que nous montions. Ces jours-là, ne sont sortis des sépulcres que le saint. Suis-moi bien. La ville sainte, c'est Jérusalem. Je ne vais pas citer de nom de ville. La ville sainte ne se trouve pas en Europe, en Italie. Ça ne se trouve pas au Congo central. Ça ne se trouve pas là, du côté de la Mecque. Ça ne se trouve en aucun lieu où vous voyez de Dieu élever les lieux de culte comme des divinités. La ville sainte, c'est le lieu où les saints pères habitent. Amen. Et les saints pères, il n'y en a qu'un. C'est Dieu le Père. Tout homme est pécheur et ne peut pas être appelé Saint-Père. N'appelle jamais un homme créé de chair, Saint-Père, chef religieux qu'il soit. Il n'y a qu'un seul Saint-Père. C'est le Père Céleste. Le Saint signifie celui qui est à part. Le Saint signifie celui qui n'a jamais péché. Sortez de ces hérésies. Il n'y a qu'une seule ville sainte. C'est la ville sainte d'Apocalypse 21. C'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem d'en haut. Les saints. Les saints, sortiront des sépulcres. Et eux seuls pourront entrer dans la nouvelle Jérusalem. Parce que Apocalypse dit là, rien d'impur n'y entrera, ni dessouillé. Bien aimé dans le Seigneur, l'évangile pur, sans anesthésie, c'est de vous dire que nous avons une espérance pour demain. Nous marcherons dans cette cité céleste. On l'appelle la Sainte Jérusalem. Ce n'est pas la Jérusalem actuelle. Cette terre essuyée par le péché. À la fin des temps, Dieu roulera cette terre. Elle sera échangée où une autre nouvelle terre prendra place.
La nouvelle Jérusalem, elle viendra d'en haut. Elle descendra. C'est cette ville qu'a chanté les Bouloba. Moka Kitoko. Et ton ami Nawolo. C'est une ville qui est construite avec de l'or. Bien aimé dans le Seigneur. Au retour de Jésus. Le jour de l'enlèvement. Quand la trompette sonnera. Les sépulcres s'ouvriront. Pourquoi Jésus est ressuscité? C'est pour nous montrer. Comme il est ressuscité. Un jour. Nous aussi si nous mourons. Nous ressusciterons. Nous monterons dans les airs. Ces jours-là, la loi de la pesanteur ne va pas agir. Nous monterons. Nous ne tomberons pas. Lui ne descendra pas sur cette terre. Parce qu'après sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel. Il est dans la sainteté. Quand il reviendra prendre le saint, comme cette terre est encore souillée, il ne va pas piétiner cette terre. Il va se limiter dans les airs. Au son de la trompette. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Si tu as un membre de famille qui était chrétien, vous avez prié pour lui, mais il est quand même décédé. Je t'entends dire, Dieu, tu m'as déçu. Tu as pris tel. Tu ne comprends pas les Écritures. La mort d'un chrétien est un gain pour le ciel. Alléluia. Kufa mon Christ zaliti na malopo na lola. Ato pese amen te po zo bang esprit à mort. Yo mona ra combat partout. Yebisa voizo ko kufa un jour, yebisa yi. Yo ras comme ça lobi. O kufa un jour avant les tentes. Na yebi avant les tentes. Tu aimes tellement la vie. Yo linga ka bo piko. Bien aimé, quand les gens meurent. Tango bato ba kufa. Là où ils partent. Et pa ibakenda ka. Toi tu dis nzamba zonga zonga. Si on lui demande, il dit qu'il revienne, lui s'est dit non, avec beaucoup de peine sur la terre, Seigneur, que je reste le maître. Et nous les pasteurs, nous vous avons mis dans la tête que quand on prie pour un malade, il doit être guéri. L'exaucement, c'est aussi la mort de foi. Non. Je te comprends. Yo lingaka ba flatte yo. Okobika, okobonga, ekosimba. Yango pe toko no bondela pona batu msusu akufeli biso na misu wana. To twita ko préparer et akutana na Yesu, to yebiseka ke miracle. Ainsi on peut voir quelqu'un même à l'hôpital agonisant, on peut seulement prier pour lui pour qu'il puisse accepter Jésus et qu'il laisse se reposer en paix. J'ai dit à quelqu'un, il est ressuscité. Le même esprit, Romains 8, 10 à 11, rendra aussi la vie à nos corps mortels. J'attends ce jour, si ça me trouve vivant, au son de la trompette, écoute en attendant, que ça me trouve même en train de prêcher la parole, et je partirai. Veste. Gilet, cravate, tout ce que j'ai tomberont ici. Je l'espère pour les amis qui sont là. Et un courageux viendra prendre le micro. Ne rate pas l'enlèvement. La Pâque, quoi vide. Tombeau vide. Jésus travaille au ciel. Il nous prépare une place. Mon nom est écrit là-haut. Si tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, tu dois recevoir le nom de Jésus. C'est quand on reçoit Jésus, on reçoit ce nom, que nos noms sont inscrits là-haut. Je dis toujours, il est parti nous préparer une place. Tout vrai Congolais, quand il arrive en Europe et il veut avoir les documents, il doit déclarer sa femme restée au pays et ses enfants pour que dans les bonnes conditions où lui est, qu'il puisse les rejoindre. On l'appelle regroupement familial. Je rappelle à l'église que Jésus est parti au ciel. Là il y a de meilleures conditions. Là il n'y a pas de péché. Là il n'y a pas de maladie. Là il n'y a que l'adoration et la contemplation de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, si les Congolais attendent les regroupements familiales, nous les chrétiens, nous attendons les regroupements célestes. On nous a déclaré au ciel, bientôt nous partirons, bientôt il n'y aura plus de souffrance. Je clôture en disant, si un corps terrestre et un corps céleste, le corps céleste, nous l'avions à Éden. Le péché nous l'a fait perdre. La croix est venue. Nous sommes sanctifiés. Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous avons encore le corps terrestre. Tu peux tomber malade. Il faut des piqûres. Il faut des opérations. On est sujet à la tentation. Un jour, cette chair va être vaincu. Nous ressusciterons. Nous serons dans sa présence. Il nous donnera des corps glorieux. Un corps qui ne tombera jamais malade. Un corps qui n'aura pas envie des femmes. Maman jolie, rassasions-nous de nos charmes ici. Parce que là-bas, on n'aura plus de sexe. Jésus a dit, nous serons comme des anges. Nous n'aurons pas de sexe. Je regarderai de loin. Je dirai, celle-ci a été ma chérie là-bas dans le monde. Mais là-bas, et moi, et elle, et nos filles, nous tous, centrés vers Jésus, centrés vers le Père, nous l'adorerons jour et nuit. Le corps suyé n'entrera pas dans la nouvelle Jérusalem. Quand Jésus est ressuscité, les disciples ont voulu le toucher. Il a dit non, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Même à Thomas, il a dit viens mettre ton doigt. Mais il n'a pas mis son doigt. Non, il n'a pas mis son doigt. Parce qu'il avait un corps glorieux. J'ai hâte de revêtir ce que Paul dit, notre domicile céleste. Bien aimé dans le Seigneur, si c'est pour le boire et le manger que nous sommes convertis, nous sommes les plus malheureux. Jésus est ressuscité. Christ en nous, l'espérance de la gloire à venir. Quand on lit ce passage, Batebele va interpréter en gros, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, Navino Robonga. Non. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est l'espérance, c'est croire en quelque chose que tu ne vois pas. Christ en nous, l'espérance de la gloire, signifie que tant que Christ est mort, ressuscité, monté au ciel, c'est sûr que nous verrons la gloire éternelle. Alléluia. Nous allons passer à la table du Seigneur. Si tu marches en nouveauté de vie, tu crains le Seigneur, tu es en ordre avec Jésus, et tu sais qu'il t'agrée, tu participeras à la table avec nous. Paul dit, il y a beaucoup de maladies au milieu de vous, parce que vous prenez la table ou vous avancez de la table avec négligence, légèreté. Tu es un copain, tu couches avec lui, tu prends la Sainte Cène, tu es sous la malédiction. À moins que tu te répandes. Parce que quand nous disons, mettons-nous debout, namuto aza kulu na okatelemi. Mais tu ne t'es pas mis dans les conditions. Alors mets-toi à prier au fond de ton cœur. Prends des décisions d'arranger cette situation-là. Et peut-être au minimum, tu peux te mettre debout. Tu as des problèmes avec les gens. Et puis sans courage, sans honte, ni se gêner à télémipé. Et comme style, ça devient comme à la mode. Cette table est sainte. Mais ça, les alliés, sans tout. Et soyons saints. Seigneur, tous à la paix, bas sans tout. Père, nous bénissons ce pain. Tata, to pamboli, li pamboli. Symbole de ton corps meurtri.
au bois du calvaire. Na libaya na pasi. Tu as dit, Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Nous la sanctifions. Guéris-nous. Au nom de Jésus. Ce même jour, tu as dit. Ce même jour, tu as dit. Ceci est la coupe de mon sang. Versée en rémission de péché pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je bénis cette coupe. Nous la prenons avec action de grâce. Les liens doivent tomber. Parce que les liens n'ont pas pu te retenir. Libère la puissance de la résurrection. Et par-dessus tout, garde-nous dans le vrai. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la table? Ceux qui sont prêts pour la table, veuillez vous mettre debout. L'agneau est souverain. Nous élevons. Bamelaka sainte poro son ameli angondo ke osimbangate. Bondo ke asimbote tika lisumunan. On ne prend pas la sainte scène parce que les sorciers ne doivent pas te toucher. C'est d'abord abandonner le péché. Il est glorieux et digne de régner. Sainte Seine, rassoyez-vous. La Sainte Seine, rassoyez-vous et priez. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous si vous avez appris la Sainte Seine, mettez-vous à prier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Même assis, parle au Seigneur. Tu peux l'adorer pendant ce temps. Ne sois pas comme un assistant. Parle à Dieu. Alléluia.
Santola, Santola, Bona Ekulu. Ayez vos masques comme eux. Bona Ekulu. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Zambé Batela, Bignosso. Zambé Batela, Kangai. Bene Yesu, wete ngai nasganisa, kufa na moko. Si vous avez appris la Sainte Seine, rassoyez-vous. Zambe bate la kanga, bene Yesu, wete. Sanjola, Sanjola, Kunae Kurusu, Kunae Akuveri, Bato, Bato, Mabe Yoso, Bato, Donayo. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ona bola mu wayo yo fuli mikuke wayo yo pesi bisote na yako kotana emana yo kosimba kosimba bote mana yo matondo matondo na Yo kolo, ona bola, mukwayo. Chantons ensemble. Yo fungoli biku kebayo. Son sang nous a pardonné. Yo pesi bisote la yako, kota na emana yo. Yo simi, yo simba mote mana yo. Nani azalo kola yo kanya kosunga lo kola yo Miso eto mbambi nikolo Doko tato la monene na yo Nani azalo kola yo kanya kosunga Sweto mbami likolo kokotato la monene na yo. Alléluia. Est-ce qu'on peut être debout de partout où nous sommes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut être debout de partout où nous sommes? On va nous donner un rythme fort, nous allons prier. Est-ce qu'on peut être debout? Tu vas commencer à déclarer seulement comme Christ est ressuscité, rien de mien ne peut rester dans la tombe. Tu vas battre les mains, tu vas déclarer ta maternité, ton mariage, ce qui est à toi ressuscite. Deuxièmement, tu vas déclarer comme le sang est entré en toi, ça doit corriger tout ce qui en toi est défaillant. Tu vas les déclarer dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer, les liens de la mort n'ont pas pu retenir Jésus. Aucun lien ne peut me retenir. Est-ce que tu peux te mettre à acclamer et à prier? Yahweh, 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 Yahweh.
Yahweh, fais le bien. Mets-toi à prier. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Ne demandons pas au peuple de prier, nous prions. Je suis ressuscité. Et tout ce qui est à moi, je déclare que rien de toi ne reste dans la tombe. Rien de toi ne reste dans la tombe. Rien de ce qui est à toi. Quand tu acclames, quelque chose se passe. Mets-toi à prier. 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 Mets-toi à battre les mains. Prie. Oui, c'est tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans le nom puissant de Jésus, je suis libre. Prie selon saint Faux qui nous conduit. Je suis libre dans le nom puissant de Jésus. Ma vie est libre. Mes activités, ma destinée, mon ministère, mes affaires, rien de ce qui m'appartient ne restera dans le tombeau. Christ a vaincu la mort. Il n'est plus non plus à la croix. Il n'est plus non plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Lève-toi contre la mort. Jésus est ressuscité. Aucun lien ne me retiendra captif. Aucun lien de la famille. Aucun lien de la famille. Le lien du quartier. Le lien du lieu de service. Rien ne me gardera dans le tombeau. Je suis libre. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi et je le déclare ainsi dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que les liens de la mort n'ont pas pu retenir Christ, moi non plus ma vie ne sera retenue. Moi non plus ma vie ne sera dans le tombeau. Je le confesse, le célibat n'a pas de pouvoir sur ma vie. La maladie, la sorcellerie, l'occultiste, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, oui, je suis libre. Je suis libre dans mes ambitions, dans mes projets, dans mes affaires, dans mon ministère, dans l'œuvre que je fais pour le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je confesse la résurrection. Jésus-Christ, l'agneau pascal de Dieu. Jésus-Christ, l'agneau pascal de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Le premier jour. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lève la main avec moi, sois debout, nous allons clôturer. Lève la main droite, sois avec nous. Lève la main droite avec nous, s'il vous plaît. Je déclare sur toi que tu n'as pas de rancune face à ton Judas. Tu vas donner seulement un amen très fort à la fin des déclarations. Je déclare sur toi que tu n'as pas de rancune face à ton Judas, parce que c'est lui seul qui peut te conduire à ton lieu de gloire. Je déclare la puissance pour pardonner à nos Judas. Je déclare la puissance pour que chaque personne ici présente, qui est à la croix, qu'il parle comme Jésus, pardonne leur peur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu donnes seulement un amen très fort. Vous savez, à la croix, Jésus a demandé l'eau, mais on lui a donné du vinaigre. Mais quand on l'a percé les côtes,
Il a sorti l'eau. Lui demande l'eau. On lui donne un vin aigre. Mais quand on le perce, au lieu qu'il sorte ce qui est aigre, lui il sort l'eau. Dans la vie, ne donne jamais la méchanceté que tu as reçue. La croix, c'est ça. Vous me donnez du vinaigre, mais quand vous me percez, moi je vais sortir l'eau. Ne sors jamais la méchanceté parce que tu rencontres la méchanceté. Dis trois fois, je suis maître de mes actions et de mes réactions. Deux. Et trois, très fort. Répète après moi, le salut en Christ me donne le droit comme le salut au drapeau. Jésus-Christ est ma bannière. Chaque fois qu'il se lèvera dans ma vie, aucun ennemi ne peut bouger. La Sainte Seine de ce jour, le culte de ce jour m'introduit à cette dimension. Ils assisteront impuissants à ma bénédiction. Merci pour l'autorité conférée en ce jour. Père, je bénis ton peuple. Fais de nous de vrais chrétiens, manifestant ton caractère, ta nature. Glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Allons nous rasseoir, que Dieu soit béni. Prenons nos offrandes et nous allons être vraiment rapides. Père, agrée ces offrandes que nous t'apportons, qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Apportons nos offrandes et libéralités, apprêtons nos dîmes, elles seront recueillies tout à l'heure. Action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour le bon déroulement des obsèques du frère aîné du pasteur Gauthier Tomona. Naissance. Naissance d'un deuxième garçon chez le Touzolana, Fiston et Régine, après plusieurs années de stérilité secondaire. Anniversaire. Nous pouvons acclamer. Amen. Anniversaire. Sœur Dalida Lamba Mouyaya, depuis le mercredi 31 mars 2021. Sœur Ingrid Mosengo, aujourd'hui dimanche 4 avril 2021. Sœur Sarah Mutombo, aujourd'hui dimanche 4 avril 2021. 5 ans d'âge de Alan Luce Moussoudeke aujourd'hui, si nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur. Guide de lecture quotidienne de la parole de Dieu à retrouver chaque jour sur notre page Facebook de l'Église, Mission Apostolique Golgotha, ainsi qu'au Valve de l'Église. Chaque jour ouvrable, nous lisons des chapitres. Le samedi et dimanche, 3 chapitres. Cette semaine, nous lirons de Josué 21 à Juges 12. Nos programmes. Chaque dimanche, premier culte de 7h30 à 10h juste. Deuxième culte de 10h juste à 12h30. Et codime aux mêmes heures, soit de 7h30 à 10h juste, premier culte, et de 10h30 à 12h30, deuxième culte. Notez bien. Soumettons-nous à l'entrée de l'église ainsi qu'à l'écodime aux mesures sanitaires. Pas d'attroupement dehors à la fin du culte, s'il vous plaît. Vendredi Nguya, chaque vendredi ici à l'église Mag de 16h juste à 18h30. Rendez-vous tous ces mois d'avril avec nos 5 vendredis spéciaux de 15h30 à 18h30. Recevons les invités distribués par les services d'accueil. Discipola, chaque dimanche après le deuxième culte à 13h juste. Réunion de la jeunesse est samedi 10 avril 2021 de 16h juste à 18h juste.
Thème, comment connaître la volonté parfaite de Dieu. Jeunes venons nombreux pour vivre la main de Dieu. Les enseignements de baptême se poursuivent aujourd'hui dimanche 4 avril après les second culte à 13h juste. Midi en prière, intercession victorieuse tous les jours excepté samedi et dimanche de 12h juste à 13h juste. Lancement du direct dès 11h20. Rendez-vous cette semaine avec pasteur Dédé Landou, le pasteur Joseph Mutombo, le pasteur Michel Opoussa et le frère Zoé Fabrice Poutou. Culte de serviteurs de 6h45 à 7h10 chaque dimanche obligatoire. Nous vous encourageons à visiter notre table de littérature à chaque entrée de l'église et à jeter un coup d'œil à notre valve. Tous ceux qui ont terminé les enseignements des discipulats, excusez-moi, sont tenus de rencontrer les pasteurs le mercredi 7 avril pendant qu'il recevra pour l'orientation dans les différentes directions de l'Église. Le retrait des certificats se fera le dimanche 11 avril 2021. Retrouvez-vous après le culte autour du frère Sinfo Kapita pour une communication. Aimons, partageons et faisons partager le Facebook pasteur Patrick Yomba ainsi que les publications que nous y trouverons. Convention d'un vent nouveau pour un nouveau départ, organisé par la jeunesse de l'église Parole du Salut Gombe, du 6 au 10 avril 2021. Thème, Dieu va faire, Ésaïe 43, 17. Orateur, le pasteur Dédé Landou, le pasteur Florent Kanto, le pasteur Eric Ntseka Senga, le pasteur Adolphe Voto et sœur Esther Gladys. Oui, je le veux, ministère d'encadrement des couples mariés, dirigé par le couple Luamba, pasteur Ken et maman Nathalie, organise la 14e édition de conférence du couple de ce samedi 10 avril 2021 à la cathédrale du centenaire protestant de 11h juste à 14h juste. Thème, la femme du 21e siècle et la soumission, concept dépassé ou d'actualité. Programme de réception de cette semaine à retrouver également au Valve. Lundi 5 avril, le pasteur Patrick Yomba et le pasteur Gauthier Tomona de 9h juste à 18h30. Mardi 6 avril, le pasteur Michel Opoussa et le pasteur Junior Bouguento de 9h juste à 18h30. Mercredi 7 avril, pasteur Dédé Landou de 9h à 11h, puis de 14h à 18h30. Et le pasteur Joseph Mutombo de 16h juste à 19h30. Jeudi 8 avril, maman Jolie Landou de 11h juste à 18h juste et le frère Zoé Fabrice Poutou de 9h juste à 18h30. Vendredi 9 avril, pasteur Yves Ngwandoua de 9h juste à 14h30. Notez bien, respectons les heures de réception, s'il vous plaît. Pause de 13h juste à 14h juste. Merci beaucoup. Nous annonçons la bénédiction nuptiale du frère Eddy Mabiala et de la sœur Sandrine Bomolo ce samedi 10 avril à partir de 10h ici à l'église. C'est un peu particulier pour eux. Ils vont se mettre debout. Ils sont où? Ils vont se mettre debout. Ils vont venir rapidement, rapidement, rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer. Pendant qu'ils avancent, nous disons ceci. 5 vendredis Nguya, ils vont monter. Ils vont se mettre le 2 de même côté. 5 vendredis Nguya, tout ce mois d'avril 2021, dénommé Victoire sur toute main noire, point, 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 et sur le mari et femme de nuit. Et avec une mention spéciale, vendredi passé, on a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. Et les orateurs, pasteur Dédé, j'ai commencé vendredi passé. Et vendredi de cette semaine, c'est le pasteur Annie Kondo qui parlera ici. Il y aura aussi le prophète Grace Mwamba et le frère Zoé Fabrice Mputu. Donc nous prions sur les maris, femmes de nuit et sur toute main noire. Heure 15h30 à 18h30,
spécialement pour ce vendredi, nous serons en jeûne et prière. Et je bénis Dieu vendredi avec une forte participation. Ces choses, il faut que tu pries sur ça. C'est très important. Amen. Veillons sur nos effets durant le culte et nos programmes, sac, téléphone, etc. Un an de la structure midi en prière. Célébration très bientôt au mois de mai. Que les serviteurs aient l'habitude de saluer ceux qui ne sont pas encore à pied d'œuvre au niveau des départements. Donc à la fin, serviteurs, évitez de vous retrouver entre vous, vous parlez, ce n'est pas mauvais, mais allez vers les autres, n'est-ce pas? Église, on va qui parle à Bango, à Bango. Alors, allez vers les autres. Nous, on a le temps de nous voir. Réunion spéciale de couple marié et fiancé de l'église, deuxième édition, samedi 17 avril 2021, ici à l'église, à partir de 15h30. Des moments d'édification, de partage et de communion pour la vie de nos couples. Chers couples, récupérez les invitations à la fin du culte, dehors, à la table des littératures. S'il vous plaît, couples, ne partez pas. Allez vers pour récupérer. Je pense que les pasteurs assistants ont pris leur disposition pour que nous aussi on aille vers. Parce que deux fois, il y a des couples, quand c'est fini, ils veulent vite courir. Donc si vous attendez que tout le monde vienne vers vous, je vous assure qu'on risque de chouer. Et prenez déjà les dispositions pendant ce temps. Dont l'église a acheté. Non, quelqu'un a offert à l'église. Ce n'est pas l'église qui a acheté, parce que c'est écrit don. Il y a un bien-aimé qui a offert à l'église des tabourets tels qu'ils sont là. Les bien-aimés qui sont au sainté. Donc, ces tabourets sur lesquels ils sont assis, rouge, noir, c'est un bien-aimé qui a pensé. Il voit comment on fait monter les chaises en plastique et ça l'a touché. Il a dit non, 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 je dois acheter. Et on était là la semaine, il est venu et il a offert. Et nous bénissons Dieu pour la sensibilité de telles personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, le couple Sandrine Bomolo et Eddie Mabiala, donc les Mabiala, ils sont particuliers. Parce que pendant le confinement, la dot a été versée. Alors, je leur ai dit, la bénédiction, c'est les pasteurs qui l'accordent, n'est-ce pas? Alléluia. Tu veux que je dise quoi? Dieu par les pasteurs? C'est les pasteurs qui l'accordent, parce que Dieu est béni par les hommes, ça va? Et je me suis dit, ça sert à quoi qu'on attende jusqu'à ce que le confinement finisse et qu'on vous bénisse? Parce que les bien-aimés avaient déjà versé la dot. Et la famille de la sœur disait déjà, non, mais faut de moi, Sinayo. C'est pourquoi il ne faut pas verser d'autres les lobes. Ça lit 4 mois. Et puis vous commencez, ce n'est pas bien. Amen. Et eux sont venus, je les ai vus. On a parlé, j'ai dit, non, ça ne sert à rien que vous versez la dot. Et puis que vous patientez jusqu'au mariage, bénédiction nuptiale au niveau de l'église. C'est moi qui ai la bénédiction. La sagesse veut, je vous bénirai. Nous sommes en plein confinement. Ils ont pris la Sainte-Seine chez moi à la maison. Je les ai bénis. Ce n'était pas moins un mariage. Même quand j'étais béni au bureau, c'est un mariage. Et ils sont partis, ils ont habité ensemble, ils vivent ensemble déjà. Donc ils consomment ce que les mariés doivent consommer. Mais maintenant, ils veulent vraiment que les deux familles soient là et qu'on les bénisse à l'église. Donc ça sera fait ce samedi 10 avril à partir de 10h ici. Donc les Mabiala, Eddie et Sandrine, ils vont nous saluer. Et sous nos acclamations, ils vont reprendre leur place. Voilà, Simba moi, Simba papa, c'est pas interdit à vous. Vous n'êtes pas ordinaire. Si c'était des fiancés, on dit bon, keba courant, mais bon, vous le courant là, ça passe déjà. Donne-moi un amen, bien. Pourquoi qu'on parle de ces choses, les gens regardent comme ça, ils rient beaucoup. Voilà, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Non, qu'est-ce que j'allais dire? Le nouveau venu. C'est pour vous la première fois de venir, où êtes-vous? Voilà, les dîmes. Nouveau venu, où êtes-vous? Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Nouveau venu, nouveau venu. Préparons déjà les dîmes, sortons les dîmes. Nouveau venu, prenons les enveloppes des dîmes déjà. Continuez à vous lever, continuez à vous lever. Venez avec les dîmes déjà, continuez à vous lever. Nouveau venu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nouveau venu, continuez à vous lever. Nous sommes...